Salut à tous et à tous, bienvenue pour ce vidéo Clash Mini. Alors aujourd'hui on va faire quelques petits achats dans le shop comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature. Mais avant on va évidemment se faire un petit combat. Il n'y a pas de vidéo sans combat, sauf les vidéos à la rigueur sneak peek ou autre, mais c'est vrai que c'est une règle d'or, pas de vidéo sans combat. Alors, carte miroir ici, on est en duel, d'accord, qui dit duel dit concentration extrême, tout comme les autres, hein. Le premier qui arrive à 3 victoires a gagné. Tiens, là j'ai bien visé pour le coup. Ouais, alors carte miroir, on va voir ce que ça va donner. Alors, le problème c'est que le mec en face, il a deux archères, donc vous avez vu, ça a très très vite mis à plat mon... ma double championne royale, mais je pense que ça va quand même passer. On va voir ce que va donner le dernier coup du héros, mais je pense que avec mon prince ça risque d'aller. Voilà. Ah, alors attention quand même. Allez, petit coup du prince. Allez. Oh, dis donc, c'était juste, hein. Je me garde mon émoticône pour la fin. J'ai failli la mettre, mon émote plutôt. Alors. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici, parce que s'il reste avec son héros sur le côté gauche, ça va pas le faire. On va essayer de... Ah, merde, je voulais doubler tout le monde, ça va pas passer. Ah, zut. Donc, peut-être qu'on va peut-être enlever... On va se remplacer ça par un PK. On va rester à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on va toujours doubler notre championne royale et on va... on va mettre le PK plutôt. Ouais, on va essayer avec le PK, on va voir ce que ça va donner. Il va sûrement bouger de toute façon en face, c'est sûr. Voilà, là il a bougé. Boum, alors il y a une archère qui dégage et la deuxième aussi. Vous voyez, alors là ça a été beaucoup mieux. J'ai toujours qu'une seule championne royale malheureusement. Mais ouais, ça tient beaucoup mieux évidemment. Hein. Dès qu'on tue les deux archères, ça tient beaucoup mieux, ça tient beaucoup plus longtemps. Donc ça c'était pas mal du tout. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on va considérer qu'il va doubler son archère en haut ou pas? Dans ce cas-là, je reste comme ça. Est-ce qu'on se renforce avec un bouliste? Allez, on va peut-être se mettre... Putain, mais j'ai pas de chance. Je vais mettre un double bouliste, c'est pas là que je vais le mettre. Hop là. Bon, bah tant pis, hein. Bah, écoutez, on va prendre ce qu'il y a. Hein. On va le mettre sur le... Bouliste. Alors, est-ce qu'il va mettre son bouliste devant? Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est genre un truc comme ça pour le surprendre et mettre du coup la championne à gauche. Ça pourrait être pas mal, mais on va plutôt faire comme ça. On va essayer comme ça, en espérant qu'il reste plus ou moins... Ok. Ah, il a tout mis à gauche, ok. Qu'est-ce qu'il a doublé exactement? Il a doublé le héros? J'ai pas réussi à voir ce qu'il avait doublé, je pense qu'il a doublé le héros. Ok. Oh là, bah là, va falloir être très bon, là. Ok. Ah, pas mal. Il a fait un bon move en face, ça, y a pas à dire. Il a fait un bon move, là il m'a, enfin surpris, je dirais pas qu'il m'a surpris, mais en tout cas il a, c'est pas mal qu'il ait, alors il a revendu son archère, ouais c'est ça, ok, il a pris le mini PK, il a vendu son archère, bah oui, forcément. Alors, du coup là il va falloir que je fasse quelques réajustements. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bouliste ici, donc on va avoir double force à gauche, et je vais peut-être renforcer le PK, et du coup reprendre mon sorcier de glace. Donc je vais faire ça comme ça. Le sorcier de glace qui me permet du coup d'avoir le gizmo. Évidemment, j'allais presque l'oublier. Et celui-là, on va se le mettre là. Attends. Hop là, on va le mettre ici. Allez, on va tenter un truc comme ça. C'est parti. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va rester plus ou moins pareil. Voilà, il est resté plus ou moins pareil. Il envoie le PK au milieu. Allez. La Valkyrie en face qui dégage. Le mini PK qui est encore là, mais plus pour longtemps. Voilà, plus de mini PK. Ouais, là c'est très très bien passé aussi. Là. Ah non, attendez, j'avais pas vu qu'il y avait encore le bouliste. Bon, ça devrait être bon, je pense. Attendez, je me méfie toujours. Allez, un petit coup de pancake sur le PK là-haut. Le mec, il en a marre, le bouliste, il regarde partout. Il sait pas sur qui tirer. Boum! Et là, je peux mettre ma petite émote qui va bien. La petite émote anniversaire. Ça, je le mets seulement si je gagne. Hein, parce que sinon, j'ai pas envie de me ramasser un contre-effet en face. Oh, petit twist track, tiens. Hop, je savais même plus que j'avais fait une victoire juste avant. Bon, alors comme vous pouvez le voir, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 2545 trophées. Donc, ce qui m'amène... je suis même plus dans le top 1000. Je suis même plus dans le top 1000. On est à combien, là? Ah bah dis donc, ça a vachement augmenté le top 1000 là. 2545, ok, c'est à 2600, vous avez vu, j'étais rentré dans le top 1000, je sais plus si j'en avais fait une vidéo, non je crois pas. Bref, j'étais rentré dans le top 1000, et là je me fais exclure du top 1000, c'est fou hein. Oh putain, ça va tellement vite le top 1000, c'est affolant. Alors, justement, on va en fait s'acheter, alors quand je disais qu'on allait s'acheter quelque chose,
En fait, j'ai deux achats à faire. Le fait d'avoir monté énormément de trophées, ça m'a rapporté 30 Crystal Coins à chaque fois que je montais de trophées. Tous les 100 trophées, on avait des Crystal Coins. Donc ça m'en a rapporté beaucoup. Plus l'événement de Noël que j'ai désormais terminé, je suis en train de le chercher, il est là. Voilà, l'événement de Noël, enfin, d'anniversaire, le mini-versaire qui est terminé. Donc ça a apporté aussi 190 Crystal Coins. Bref, au total, on en a 791 Crystal Coins. Donc, je vais m'acheter le skin de Noël, celui du Candy Elf skin. Alors, je pourrais m'acheter en fait, je pourrais attendre d'avoir 9 trophées, 9, pardon, Crystal Coin et m'acheter un skin de mini, ouais, c'est Crystal Coin skin. Mais je me dis, bon, ceux-là ils vont pas bouger, alors que ceux de Noël, bah, va falloir attendre Noël prochain pour les avoir. Donc, j'aimerais bien quand même au moins avoir un skin, d'autant que les autres, je trouve que le prix est quand même assez affolant, hein, 18 € ou 11 € pour un skin. Ça fait un petit peu mal au cœur. J'aurais bien aimé avoir le bonhomme de neige aussi, étant moi qui utilise le bouliste. Donc, ce que je vais faire tout de suite, boum, j'achète mon Candy Elf skin. C'est parti. Voilà, j'adore ce design. J'adore ce design de petite boîte de jouets. Voilà, regardez ça. C'est pas beau ça? Allez, je me refais un petit screenshot. Plusieurs screenshots. Voilà, donc ça c'est fait. Le petit skin qui va bien. On va se le mettre tout de suite d'ailleurs. Même si on ne joue pas forcément hein, le gobelin, mais on va se le mettre quand même. Tiens, j'avais aussi le skin robot pour celui-là. Ah, j'ai envie d'éternuer. J'arrive pas à éternuer. Voilà, j'ai éternué. Bref, donc ça c'est fait. Et le deuxième achat que je vais me faire, c'est que j'ai 138 gemmes. Et je vais m'acheter une fun box pour avoir. J'ai encore éternué. Pardon, pour avoir. Je vais vous l'ouvrir tout de suite. Pour avoir soit une émote, soit eh bien un skin, encore une fois. Donc on va voir ce qu'on va avoir. Tiens, essayez de deviner en commentaire. Jouez le jeu, essayez de faire pause et de deviner ce que je vais avoir. Moi, j'aimerais bien avoir. J'ai encore éternué. Je vais vous dire ce que j'aimerais bien avoir. En fait, il y a une quête qui est là, d'accord, et qui dit 8 émotes ou 3 robot skins. Alors, je sais pas si on peut avoir des robot skins dans le truc, j'ai un petit doute, mais en tout cas, ça, si j'avais une émote de plus, eh bien, j'aurais 10 Crystal Coins de plus, et grâce à ça, eh bien, j'arriverais à avoir 300 Crystal Coins, et donc, je pourrais. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter avec 300 Crystal Coins? Eh bien, une autre fun box. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, c'est parti. J'ouvre, attention, idéalement une émote, sinon je prends quand même le skin, je prends tout. Allez, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Oh! Ah, le skin énervé, ça j'adore. Le skin énervé, l'émote énervé, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Ça, il y en a plein qui me l'envoient contre moi, le skin. L'émote, pardon, je pense que ça doit être le sorcier l'électro-wizard, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, je récupère la quête, c'est exactement ce que je vous disais avant. Je récupère les 10 Crystal Coins, boum. Regardez, hop, les petits Crystal Coins. J'arrive donc à 300 Crystal Coins. Et grâce à ça, je peux m'acheter, attention les yeux, une box supplémentaire. Allez où? Allez là. Une fun box. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Skin, emote, dites-moi dans les commentaires. Et une emote. Eh, mais je l'ai déjà celle-là. Comment ça se passe? Ah, d'accord. Ok, je récupère 25 Crystal Coins. Donc, basiquement, je viens de perdre. Je viens de perdre 274 Crystal Coin parce que j'avais déjà les mottes. Très bien. Bon, bah écoute, je pense que ça fait partie du jeu. Je pense que ça fait partie du truc. Ah putain, mais par contre, ouais, j'ai pas eu. Ah là, je suis deg. Mais en gros, j'ai perdu 260. On est d'accord là. Je l'avais déjà les mottes. J'ai dépensé 300. J'avais déjà les mottes, donc j'ai perdu 274 Crystal Coin. Ça prend tellement longtemps à avoir. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. En tout cas, regardez, on a désormais 8 émotes. Donc, on est désormais plein. Donc, maintenant, si on a une émote supplémentaire, eh bien, il faudra changer le deck d'émote. Voilà. Bah, dites-moi d'ailleurs où vous en êtes, vous, dans votre deck d'émote. Est-ce que vous avez plusieurs émotes? Est-ce que vous en avez acheté? Vous en avez récupéré? Pareil pour les skins, d'ailleurs. Hein, j'ai encore du boulot. Hein, j'ai énormément de skins à avoir. Et donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un de mes premiers. Alors, je sais pas si on peut appeler ça pack opening réellement. C'est pas des packs. Mais en tout cas, allez, on va appeler ça pack opening quand même. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui va bien. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Clash Mini. Salut à tous!